à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, ça sera un back to school, rentrée en CP. Donc, mon fils rentre en CP. Et voici la liste. Donc, je sais pas si on va bien voir la liste qu'ils ont demandé. Donc, du coup, il lui faut une trousse, bien sûr, pour mettre ranger tous les crayons. Donc, il a choisi celle-ci, Iron Man. Donc, à l'intérieur, il lui fallait un ciseau, donc comme ceci. Voilà, donc celui-là, c'est la marque Maped, donc un petit ciseau, c'est tout mou. Il lui fallait un surligneur, donc après, peu importe la couleur, mais il a voulu jaune, comme celui-ci. Une gomme, donc lui, il a pris une gomme comme ceci. Hop, on dirait un cutter, mais c'est une gomme. Voilà, donc il y a la gomme qui sort là. Hop, on pousse là. Voilà. Un taille crayon avec un petit réservoir. Voilà, donc bleu, il a pris. On lui a pris un stylo pour apprendre à écrire. Donc, vous avez ici et ici pour mettre les doigts. Hop, pour bien positionner les doigts sur le stylo. Hop, donc c'est un embout comme ceci. Voilà. Et on peut l'effacer. C'est un peu comme le stylo plume, sauf que c'est un stylo normal. Voilà. Donc il lui fallait, bien sûr, les fameux crayons rouge, noir, vert et bleu. Voilà. Donc on a pris cela. Donc on appuie au bout et il y a la mine qui sort. Voilà. Les crayons à papier, donc tout simple, hein. Hop, un bic et un bâton de colle. Voilà, donc on a pris bic aussi. Il lui fallait, alors, on lui a pris deux règles, donc un double décimètre, donc comme ceci. Donc celui-là, il est en aluminium, il est petit, donc il pourra le mettre dans sa trousse. Voilà, donc elle est bien rigide. Et on lui en a pris une deuxième, une un peu plus grande, et celle-ci, en fait, elle se tord dans tous les sens. Donc voilà, c'est du plastique qui se tord dans tous les sens. Voilà, donc c'est la marque Maped. L'autre, c'était la marque Esquisse. C'est ça, Esquisse. Et puis ça, c'est Maped. Celle-ci, donc la petite, c'est une 20 cm et celle-ci, c'est une 30 cm. Voilà, comme ça, il en aura deux. Il lui fallait aussi donc des feutres avec plusieurs couleurs, comme ceci. Voilà, donc sur celui-là de paquet, il y en avait 12. Donc c'est la marque Stabilo. Il lui fallait aussi des crayons de couleur. Donc il y en a 14 plus 4 gratuits. Donc ceux-là, normalement, je crois que je regarde. Mais je crois qu'il ne se casse pas celui-là. Ceux-là. Donc voilà, donc la marque Bic Kids. Derrière, il y a un petit genre de petite étiquette pour pouvoir mettre le nom de l'enfant dessus. C'est sympa. Ensuite, il lui fallait une ardoise Velleda ou une ardoise avec la craie. Donc nous, on a pris celle-ci, l'ardoise écolière double face effaçable à sec. Et donc vous avez le stylo, le feutre dedans et puis les facettes. Donc, vous avez les facettes ici. Donc ça là, qui est noir, ça sert à effacer. Et vous avez le stylo, donc toujours la marque Bic, donc c'est Velleda. Donc voilà, donc ça sert bien ça pour l'école. On lui a pris celle-ci, hop, comme ça s'efface bien avec le crayon. Ensuite, il lui fallait un cahier de texte, donc il a pris Spider-Man comme ceci. Et puis dedans, bah, vous avez la page comme ça. Cahier de texte avec écrit année scolaire, établissement, classe, nom, prénom. En cas d'urgence, prévenir. Donc au cas où s'il perd son agenda, enfin son cahier de texte. Et puis après, vous avez l'emploi du temps. Donc avec les jours de la semaine, les heures. Et puis bah, après, vous avez les jours, là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Voilà. Hop.
un petit agenda Spider-Man. Ensuite, il lui fallait une pochette cartonnée. Donc, il a pris celle-ci, donc avec un petit élastique qui s'ouvre comme ceci. Et puis, il fallait les rabats, bien sûr, les trois rabats. Hop, comme ceci. Et puis, il a choisi une Umbro, la marque Umbro. Elles n'étaient pas plus chères, celles-ci, que les autres marques, ou avec un dessin dessus, Spider-Man. Donc, du coup, il a voulu celle-là. Il lui fallait un classeur aussi, comme ceci. Donc ici, il fallait que ça soit 4 cm. Donc il a pris un Star Wars. Voilà. Qui est comme ceci à l'intérieur. Et il lui fallait 6 intercalaires. Donc là, il y avait cette page comme ça, blanche. Donc avec les couleurs, donc bleu, vert, jaune, orange, rouge et violet. Et dessus, là, vous pouvez écrire, en fait, la matière de la couleur que vous aviez là. Donc, voilà. Et puis, les intercalaires, c'est comme ceci. Voilà. Et il lui fallait un cartable. Donc, il a choisi celui-là. Voilà. Un Ernest, si je ne me trompe pas. Donc, il y a une poche devant. Il y a une autre encore de poche. Et la grande poche. Voilà. Donc là, vous avez encore une autre page. On le tourne. Hop. Il y a les bretelles. Et vous avez les roulettes. Comme ceci. Voilà. Donc, si jamais le cartable est trop lourd, au moins il a les roulettes. Voilà. Là, on les voit bien. Et là, vous avez une poche pour pouvoir rentrer. Hop, les bretelles opaques. Donc la caméra l'a coupé. Donc voilà pour le sac pour mon fils pour la rentrée. Donc il lui fallait aussi des photos d'identité et des petits chaussons, mais ça on verra un peu plus tard. Ensuite pour ma fille qui rentre en dernière année de maternelle, donc elle, il lui fallait un classeur. Donc elle a pris celui-là avec un petit chaton. Très joli. Pareil ici, il fallait que ça soit 4 cm. Hop, avec le même petit chat derrière. Donc super joli. Voilà. Et puis il lui fallait aussi des intercalaires. Donc voilà. Donc on a pris pour elle cela. Voilà. Et c'est pareil, il lui faudra des photos d'identité et des chaussons. Et elle a choisi cette petite trousse. Parce qu'enfin, en fin d'année, il nous demande une trousse avec des crayons à papier, des crayons bleus et verts, une petite gomme. Et il nous demande une petite trousse pour qu'il commence à écrire leur prénom. Donc du coup, elle a choisi celle-ci. Donc c'est l'âge de glace. Voilà. Donc c'est marqué 100% nutty. Voilà. Donc elle est blanche et rose, comme ça. Voilà, avec les petits détails sur les côtés. Voilà, l'âge de glace. Voilà, pour les enfants. Donc on passe pour les grands. Donc je me suis prise, moi, une pochette comme ceci, avec des petits flamants roses. Je l'ai trouvé super jolie. Pour mettre des papiers dedans. Donc c'est pareil, hein, avec le petit rabat là. Pour pouvoir mettre les papiers ici. Et puis refermer, hop, avec les deux élastiques. Voilà, donc elle est super jolie. Alors c'est pareil pour faire des petites notes. Donc j'ai trouvé ceci. Donc c'est un bloc-notes. Hop. Avec couleur mint. Avec des petits triangles. Là vous avez des lignes. Voilà. Donc avec le stylo, qui est de la même couleur que ceci là-haut. Et derrière vous avez un aimant pour pouvoir le mettre sur votre frigo par exemple. Comme ça vous pouvez mettre votre course de lit, de votre liste de courses plutôt. Si on met la phrase à l'endroit, ça va mieux. Voilà, donc dessus il y a 70 feuilles. Voilà, donc j'ai trouvé sympa pour la liste de courses et tout. Voilà. Ensuite, petit agenda comme ceci avec un petit chien, un appareil photo. Donc là vous avez une
une feuille en plastique et du coup ça donne ceci. Donc c'est un Jada 2016-2017. Donc il se présente comme ceci. Voilà. Donc pareil, vous avez activités, vacances scolaires. Voilà. Et il se présente comme ceci, par exemple. Hop. Voilà, avec des lignes. La date ici. Et voilà, puis vous avez aussi des petites pages comme ceci. Donc là, il y a un petit chien, scooter. Vous en avez un autre là, Roxy. Et voilà, puis après, vous avez un répertoire aussi. Hop, là, comme ceci. Des petites pages à carreaux. Voilà, et là vous avez une petite page comme ça, plastifiée, où vous pouvez mettre des choses à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Bah, vous en avez même deux. Une et deux. Petit agenda. Sympa. Voilà. Ensuite, j'ai pris ces stylos comme ça. Donc c'est la marque Esquisse. C'est trois rollers. Hop, il y en a. Un bleu, un noir et un rouge. Et en fait, les embouts là, ici, hop, ça efface. Vous écrivez et du coup, ça efface. Là, vous avez le petit dessin. Hop. Voilà, trois rollers, encre effaçable. Pointe conique pour une écriture moyenne, fluide et précise. Couleur intense. Donc voilà, pour les petits stylos. Un autre stylo, alors lui il y a plusieurs couleurs, c'est stylo bi, 7 couleurs, j'ai trouvé super sympa. Voilà, avec les petits papillons. Et là vous avez toutes les couleurs, donc il y en a 7. Donc vous devez avoir du vert, du rouge, du bleu, du marron, du bleu turquoise, du violet, puis je pense qu'il doit y avoir du rose. Donc voilà. Ensuite, j'ai craqué pour deux petites choses. Donc ces crayons à papier de la Fée Clochette. Mais ils sont super sympas. Donc là, vous avez la gomme. Donc c'est des HB. C'est ça. Donc Disney. Crayon graphite. Donc il y en a trois. Donc j'ai craqué donc crayon à papier. J'ai craqué dessus. Et ils avaient aussi le cahier. Donc, comme ceci. Et c'est marqué To Dish and Wild Shine. J'ai craqué dessus. Il est super joli. Il est comme ceci. Donc il est rose. Très clair. Et puis derrière vous avez la petite fée clochette aussi. Comme ceci. Voilà. Puis à l'intérieur c'est des pages. Comme ça. Un carreau. Tout ça. Pour la rentrée des classes pour les grands. Et puis j'ai trouvé ceci aussi. Moi c'était surtout pour le trépied qui est là. Donc ça je l'ai trouvé à Lidl, si je me trompe pas, à 7,90€. Moi c'était surtout pour le trépied là, parce que vous avez le trépied, vous avez une coque. Vous avez, ça c'est quoi? C'est un objectif. Voilà, et puis ce qui permet de tenir le téléphone. Voilà, donc c'est la marque Silvercrest. Donc c'est téléobjectif pour smartphone. Zoom optique x8. Donc voilà, c'est ça. Il y a la coque de protection pour smartphone, le trépied extensible, sac de transport, chiffon de nettoyage et deux caches pour objectif inclus. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà. Donc j'ai trouvé ceci chez Lidl. Donc voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, bisous, bye bye.